pour revenir sur l'émission Star Academy que vous suivez, La Quotidienne. Là, on va surtout parler de Brigitte ce matin. Oui, ça va très, très bien. On se prépare pour le grand gala ce soir. Beaucoup d'invités. Oui, beaucoup d'invités. Je dois vous dire, je sais. Et Laurence, après Star Academy, Dave, il a fait quoi? Il a fait plein, plein de choses, il faut le dire, parce que ça, c'est un travail. Faut dire c'est enrhumé ce matin qui va nous faire un post-mortem de Star Academy d'hier. Je vais aller vous écouter pour le reste de l'émission en direct de mon lit, sous je pense. Sous la vidéo. Oui, c'est ça. Retour d'abord. Je m'en tirerai pas, là. Moi, j'ai fini pour ce matin, mais je risque de traîner ici encore un petit peu parce que c'est beau, les ouais, vêtements! C'est fou. C'est Clarence Barret qui surveille tout ce qui se passe à l'Académie. Et là, on va revenir sur le debriefing de Patrick Huard hier soir. Exactement, Patrick Huard. Laurence, encore un peu enrhumée. Allons-y avec Star Academy, La Quotidienne. Je pense que je prends une bonne pub de médicaments, tu sais. Dure journée. Prenez, pénurie. Oui, les candidats. De très, très près à l'Académie à Sainte-Adèle. Là, on connaît les trois chansons que les trois gars mis en danger vont interpréter dimanche. Oui, on connaît les chansons qu'ils vont interpréter.